Newspaper. Yes, newspaper, okay. Electronic. Good morning. Do you have something to say about this school, Graphene? Yes, it's quite well organized, and I think it's very nice to have students who can interact with people from abroad. I think it's a very nice idea to have that in Morocco. Did you visit other Moroccan cities? A few years ago I was in Ifrane. Only Ifrane? Only Ifrane and Fès. Then we visit also Fès. It's very old. Fès was very interesting because you have this Medina, which was very nice to visit. What is your impression about Morocco? Very friendly people here, and I think scientifically people are quite interesting to learn a lot of things, and I have a very good impression, so I will surely come back. And impression about Jdida? Jdida. The first time, but those people keep me so busy that I only had Sunday, some small time to visit the Portuguese part of it and the market. So, and we also went to the port. Thank you. What is your job and your name? Okay. So I am professor at the University of Antwerp, and my name is François Peters. Enchanté. I hope you don't end up in jail, but it's okay. If you end up in jail, we'll provide you food every day. Thank you. Thank you. What is your name? My English is very bad. Yes. I think we talked together or not. Okay. Of course. But interview with an Algerian in Morocco, this is an anomaly. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez, s'il vous plaît? French or Arabic? En français. En français, j'ai des difficultés, mais j'essaierai. Je suis les Algériens Hossein Bahlouli, faculté algérien, travaillant à l'université de King Fahd Université. Je participe à des activités régulières à El Jadida et au Maroc d'une façon générale. C'est mon troisième colloque. Sous l'égide du Centre saoudien Theoretical Physics. On est en train de faire une collaboration solide avec les scientifiques marocains, incluant les étudiants. Merci bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 10 jours de formation sur le graphène? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont tiré comme profit? Les étudiants ont été exposés à des hommes de calibre dans le domaine du graphène. On a invité deux sommités, le professeur Peters de l'Université de Belgium, Antwerp, et le professeur McDonald de l'Université de Texas, à Austin. Ces deux sommités, ils ont présenté les problèmes qui sont à la frontière dans ce domaine de graphène. Et leur contribution a été très valable et très intéressante parce que nos étudiants, c'est l'une des rares occasions où ils sont exposés à des scientifiques à d'échelle internationale. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Hassan Mohamed Hassan, طالب ماجستير في جامعة البترول, المملكة العربية السعودية, يمنية الأصل. كان المؤتمر بالنسبة لنا مفيد جدا. كانت المرة الأولى بالنسبة لنا في هذا المجال الجرافيك. عرفنا الكثير من الأشياء, وإن شاء الله الآن حددنا الهدف ما سيكون في الماجستير أو في رسالة الماجستير. شكرا. أجواء.